une vidéo spéciale pour Halloween. Pas essayer par rapport à tout pote, l'écran qui est à côté de toi et tout, elle est là. Une vidéo assez calme, parce que oui, Halloween, normalement, c'est pas calme du tout, mais bon, ce n'est pas grave, mes amis. Je suis sur bouclier, quoi. Vous voyez pas, mais on dirait. Aussi, on me conseille encore une fois la vidéo, si vous voyez que. Il est là. Vous voyez, ça brille ou ça ressort des petits trucs, c'est dégueulasse. C'est pas du tout vrai. C'est juste être le. La qualité et tout, c'est un peu pourri en ce moment, donc désolé. Ça fait moche, je suis pas comme ça en vrai, vous inquiétez pas. Aussi, si vous voulez la vidéo, si je suis maquillée pareil que soit dans les autres vidéos, c'est parce que je filme en même temps. Je suis tranquille pour mon frère et pour moi. Voilà. Et donc, vous savez, cette vidéo, ça sera un tag d'Halloween. Je crois qu'on sait le tag d'Halloween, le tag. Alors, qu'est-ce que c'est un tag? C'est pas un tag, c'est là que je réponds à des questions. Je prends le tag de Once More Million Fun sur mon téléphone, ce que je ferai bientôt sur ma chaîne. Vous l'avez déjà vu deux fois. Mais je ferai un deuxième en contact si vous êtes d'accord. J'espère qu'il y en a un choix. D'accord, j'ai. Donc comment je vais faire ce tag, c'est à dire que je vais pas rester sur mon écran en ligne, je vais juste écrire la question difficile tout simplement. Donc le tag moi je le trouve sur Google, voilà, sur Chrome pour ce téléphone là, où je vais marquer tag Halloween, je prends un blog d'une fille, voilà, je vais répondre aux questions, je suis désolée les gars. Je vais pas rester sur mon écran, mettre à côté encore une fois, parce que quand je fais d'autres vidéos spéciales comme ça, je non. Attends tout là-bas. Allez, non, merde, je veux avoir un oui, malin Chrome. Plus que 4 ici, voilà. Désolé pour la blog de la fille, c'est pas cette vidéo là, mais on est à peu importe quel blog, je suis désolée. Encore une fois, mais bon. Ça va, les questions, ça faut les essayer, enfin les réponses, hein. Enfin les questions, faut les essayer bien, je peux parler moi. Je voulais faire ça à deux parce que c'était plus fun à deux, mais personne ne voulait faire ça avec moi. Il y a mon petit cousin qui connaît pas trop de soi et tout, mon petit frère qui a pas envie de faire ça, ni mon grand frère qui s'amuse avec mon téléphone, donc le téléphone à faire peur aux gens pour Halloween. On s'en bat les couilles, Marilyn, ça n'est pas grave. On va aller sur Scrum, sauf que Scrum dégueule comme ça. Ah oui, parce que ce téléphone là, je vous avoue que j'ai pas Scrum, j'ai dû l'installer. Parce que c'est un téléphone pas comme les autres, hein. Je ferai le Watchman Info, enfin je ferai peut-être ce Watchman Info sur ce téléphone là, je sais pas du tout. Parce que maintenant le téléphone je peux enregistrer l'écran, oui, Colline 3, je sais que j'ai enregistré l'écran au début de ma chaîne YouTube. Mais là bah, ça, après ça marchait plus et là, bah, du recordeur j'ai remis tout, hein. J'ai aussi enregistré mon écran. En tout cas j'espère que ça a marché pour la vidéo du coup, c'est ça que je vais faire avant, que ça déconne. Tag Halloween, Halloween, oui, je suis pas trop bien pétée matin. Voilà, le rosé j'en ai mis partout, mais ça c'est faut savoir que moi je suis une fille qui met partout, surtout le matin, voilà, je suis rosé, je suis 29h. Ah la maille qui me lève à 29h, vous voyez pas du tout, mais je vais vous faire comme ça les gars. Vous voyez, j'ai fait mal mon gueule. Ah ben voilà, le machin a cassé la gueule. Voilà, c'est mieux les gars, j'ai réussi à mettre mieux ça. Donc, à Halloween, je ne me traite pas peur de quoi, mais. D'après le tag d'Halloween chez Friend Mama, le but était de faire ces questions. Alors, ces questions, ça laisse la vidéo, pas de très longtemps, hein. Pas se mentir, à part si je fais beaucoup de montage pour une vidéo. Aïe! Au cas. On va essayer de trouver ça, que ça déconne. Ah bah oui, maintenant on va attendre, on va dans le truc quoi. Donc je suis là, j'attends. Ah, ça fait la paille, mes amis, elle a pas de dire à mon côté. Aïe! La rose. Faut attendre, on va attendre. Non, allez. J'espère que je va pas couper parce que ça t'a coupé un peu dans la crotte, t'as l'air de décoller des azur, t'as et tout. J'ai des frissons d'un coup, fait froid dans ma chambre, je trouve aussi plus de sauvage, je suis mort. Enfin, je suis très fatiguée. Oh, oui, la preuve que je suis fatiguée. Oh, les couilles. Répétez votre. Ça va, j'arrive. Oula, j'ai mis un gueule. Ah, j'arrive. Attends, je vais dire ça, en fait, elle arrive pas du tout. D'accord, je ferme ma gueule, j'ai compris. Hein. Oui. Ta gueule, oui.
Allez, c'est parti, on va marquer tag d'Halloween. Ah merde, quand je veux marquer tag d'Halloween, ça m'a enlevé. Ah merde, pourquoi je mets un Y en mongol celle-là? Je suis mongole comme moi, du coup je suis mongole. Je suis blonde. Alors bien sûr, quand je dis je suis blonde, encore une fois, je me répète tout le temps, mais c'est que je rigole, vous inquiétez pas. Parce que j'ai vu une dernière fois, dans un temps, je vais vous parler un peu quand ça commence. Et c'était une vidéo, genre le mec il me dit qu'il aimait pas les blondes, parce que c'était tout déconne et tout. Pardon. Moi j'aime pas les pédés comme toi. Bou bou bou. Merde, je vais marquer tag d'Halloween à cause de ce pédé là qui avait dit ça. J'aime pas les blondes, t'aimes pas tes cheveux, t'aimes pas les couleurs, tout ça c'est un truc. T'aimes pas les blondes, t'as pas t'as plus ton caractère, enfin je sais pas, c'est... Ah, oh, pas très bon moi aussi. Bon, tu vois pas. D'accord, elles sont blondes, mais j'avoue, je fais pas de chantasse. Fantasse. Fantasse. Oui, j'aime même pas de fantasse, hein. Ah, mais je vais pas le dire, c'est pas ça. Bon, on peut marquer tag d'Halloween. Là, je vais arrêter, j'essaie de vous parler pour... Et du coup, j'ai mis un H Halloween. Oui, il y a un H, mon gueule. Tag Halloween. C'est parti. Non, rigole, c'est pas parti. Je vais prendre lequel. Ah, il y a quelqu'un qui les vote sur mon téléphone, je parie, parce que je... Quand je fais ça, je baisse pas, non, pour ça qu'il se... Oui, bref. Pépé, il est là, son portable Michel? Oh, il le fume avec. Oh, tu le donnes pas, il est puni. D'accord, ma puce. Ah, ok. Il est puni, c'est-à-dire que je suis là pour moi. Bon, tag d'Halloween au bleu de ananas. C'est pas ananas, non, pas ananas. On s'en bat les couilles, les épaules à la personne que j'ai pris ton blog. Bon, première question, le film qui t'a un peu fait dormir. Alors, sans vous mentir, il y a... Attends. Moi, le film qui m'a fait dormir, c'était... Il y en avait... Moi, savoir, mes amis, que je déteste, je me dis bien, je déteste les clowns. C'est-à-dire, tu mets mes idées de clowns, ça qui cloue et tout. Je peux pas, depuis tout petit, je peux pas. Même si je vois un clown, genre, le mec, il est rigolo en mode... On s'amuse. Non, non, je peux pas. Encore une araignée, tu mets sur moi, je vais peut-être paniquer, mais tu mets un clown devant moi, mais je meurs instantané, parce que je déteste les clowns, hein, je le répète deuxième fois. Je peux même pas voir une photo de clown. Mon petit cousin, Halloween, va se déguiser en clown avec un masque. D'accord. Pourquoi dans ma exergue où j'étais en milieu de ma scène de clown? Bravo, voilà, je fais ça. Pourquoi t'as pas mis un tueur? Oh, ça serait mieux. Mais tu es un peu mort, mais ça serait mieux quand même. Voilà, ça va, je déteste les clowns. Donc le film m'a fait peur. Moi, il y a un scène aussi qui m'a fait peur en fait. Ah, ouais, un scène qui fait peur pour lui. Je sais pas, il avait un truc bizarre dans sa mémoire. Je sais pas, il a un peu flippé. Bref, le film qui me faisait dormir, ça serait. Annabelle. Il y avait Annabelle et. Il y avait un film de clown aussi. Donc il y avait Annabelle qui me faisait dormir. Parce que c'était Annabelle 2 et il faisait trop peur. Et voilà, je sais pas, j'avais trop peur. En plus, c'était genre, je regardais ça avant que j'étais dans ma chambre. Du coup, j'étais dans ma chambre. Du coup, ça était parti dehors et il est parti avec ses copains. Je dis, ça y est, venir là. Parce qu'en fait, une amie au collège, quand j'étais au collège, elle m'a raconté que punaise ton lit et tout. Moi, je la croyais, hein, quand je la croyais pas, mais voilà, je me disais d'un côté, je la crois, d'un côté, je la crois pas, vous voyez. Donc, j'ai flippé ma race. Le soir même, je regarde le film pour voir si cette histoire est vraiment vraie et tout. Et apparemment, je veux sa tête, la poupée elle existait, bien sûr, tu pas comme ça du tout, mais elle existait. Donc j'ai un peu flippé ma mère parce qu'avant je l'ai pas trouvé. Et après, il y a aussi, donc voilà, j'ai un peu flippé sur ce film là. J'ai pas assez de personnes dans la nuit, je suis couché à 5h du matin, je pense. Je regardais le film, désolé, je me gratte, mais c'est juste pas. Il fait minuit et il a terminé. Il a pas duré longtemps et je suis couché à 5h du matin tellement que j'ai eu peur, vous vous rendez compte. Bref. Et le deuxième film, il n'y a pas de deuxième film, mais fait pas. Le deuxième truc, c'est un dessin animé qui s'appelle, je crois que c'est tous, L'apprenti Noël de Soulac. Je vais traiter donc, enfin, je mettrai une photo ici, de, voilà, la photo de couverture, bref, voilà, je vais vous un truc ici. C'est, alors si vous ne savez pas, c'est un DVD que j'ai cassé quand j'étais petite, parce que j'aime pas tout ça, faut se dire, qui est en fait un épouvantail, en fait, qu'au début, qui est un épouvantail normal, qui ne bougeait pas, quoi, normal quoi. Et il va mettre dans un truc bizarre au début, genre, c'est un épouvantail. Et avec une meuf qui sa main dégueule, enfin ouais, un peu bizarre ça, non. En fait, c'est vrai que là c'est un monde, ils font que Halloween, c'est tout le temps genre Halloween, il y a des monstres et tout. Et bah, tout simplement, il veut, quand ce deck fait une potion pour se créer, enfin la meuf qui voilà, va faire un déguisement de Père Noël pour Monsieur Jack, qui va venir, comment dire, dans la vie réelle, on va dire ça comme ça, des enfants, de tout le monde, dans la vie réelle. Pour faire Noël mais façon Halloween, vous dire ça, c'est pas Noël, genre toutes tes cadeaux. Oh, j'ai une poupée, mia. Non, c'est Noël, j'ai une poupée qui va te tuer, qui va te bouffer et tout. Alors, ce dernier là va traumatiser à vie. J'ai un petit peu peur. Un peu honte de dire ça.
Mais putain, faut dire ce qu'il dit, hein, Marilyn. Oui, hein, mais ta gueule, hein, bah oui, faut dire ce qu'il dit. Je peux regarder cette nuit-là, mais pas tout Halloween. Alors, hier, j'ai regardé Simpson, mais c'est Halloween, mais j'ai pas vu tout. Oui, je sais, si je fais comme ça, c'est que bon, j'ai pipi. Oui, je sais, je faut que je pipi, donc. C'est pas grave. Ouais, je passe moi de ma tête, et puis j'ai coupé ma tête. Non, je suis pas encore morte. Faut que je fasse le retour de ma chambre, enfin, le retour de mon nouveau maquillage. Ouais, mais là, c'est un peu mal rangé, je pense. Mon sommeil est cool, on parle pas de ça. Qu'est-ce que tu me mets, toi, mais t'es mongole. La fille, j'ai pris ce Nox, ça c'est Ananas, ça j'ai dit Ananas. Moi, je crois que c'est Ananas, la meuf qui fait YouTube via mais je suis sa chaîne. Donc, oui, oui, donc tu dégages. Ah, ben voilà, faut le recommence. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai trouvé le compte. Ah non. Faut que je fais pipi. Oui, oui, faut que je fais. Et c'est ça, bien sûr, qui va me dire, même si je me barre pas encore ça, genre. Pourquoi tu fais, je veux que je mets pas poser la vidéo, pas pipi. Parce que. La fille qui t'a fait dormir, ça j'ai fait, mon gars, que tu es. Le lieu qui fait peur. Le lieu qui me fait peur. Enfin, qui me fait peur. Qui fait peur. Le lieu qui me fait peur, à moi, ça serait l'hôpital. Enfin, le lieu qui m'a fait peur. Le plus peur dans ma vie. C'était le collège. Voilà. Au collège où j'étais avant, donc les rats, voilà, en parenthèse, bref. Et avant, faut savoir que c'était un hôpital. Donc les murs sont tout blancs. Enfin, il n'y a pas trop de déco. Et comme, c'est comme si j'étais un hôpital, quoi. Parce que c'est quand même plus parce que la dernière fois j'étais pour mon papy. Et c'est genre pareil dans l'hôpital. Enfin, tu penses à peu près mieux, mais c'est genre pareil dans l'hôpital. Et en fait, ça crée un contexte, c'est qu'avant il y a eu des mecs qui sont morts ici. Et les lits étaient vraiment des lieux d'hôpital. Alors, tu sentais les ressorts, ils sont pas des coups. Là-bas, c'était des fous, quoi. Et parce que je suis plus. Et puis il y a des choses bizarres qui sont arrivées. Les portes cassées tout seul. Il y avait une poupée. Il y avait un mec, l'adulte qui avait emmené une poupée. Et les poupées, simplement. Retrouvé sur le lit d'une copine amie à moi, oui, dans la chambre, il y a une chambre à côté là, une chambre à côté où il y a deux lits, trois lits ici et un box, vous voyez, comme de pour les chevaux et tout, et à côté là où il y a la douche pour tout le monde, enfin pour la chambre et tout, voyez. Et on avait trouvé une poupée, apparemment elle était hantée, enfin on a un peu flippé notre mère, hein, pas se mentir, et en fait on l'a retrouvé sur le lit de ma copine. Donc, personne n'a fait ça parce que il y a une surveillance qui est dans la chambre qui le voit, qui va voir forcément. Voilà, parce qu'elle se couche pas plus tôt que nous, enfin elle se couche, je crois, un peu plus tard que nous, parce qu'elle peut fumer, vous voyez ce que ça veut dire. Et il y a des choses bizarres, ils sont passés dans cet hôpital, dans cette. Putain, je pense, c'est un collège. Bah, les uns, les portes qui sont tout seuls. T'attendais les portes tout seuls, t'entendais des bruits la nuit, tu voyais la poupée qui. Enfin, la poupée qui était sur le lit. Je pouvais pas en fait. C'est des personnes qui racontaient des histoires, genre en mode. Bah, c'était ça, ici, mon frère racontait des soupins, et il y a des trucs qui s'est passé et tout, donc voilà. Attendez, troisième question. Ton film d'horreur préféré? Ça c'est ça. Oh, dans le bout, la pauvre Rosie, tout fait bon. Attends, mais écoute, ça serait ça. Mon film d'horreur préféré, ça c'est ça. Parce que je vous conseille pas vraiment de regarder ça pour les personnes. En fait, c'est trop bien ça, je crois que vous connaissez. Je vais encore une fois le petit logo ici, de ça. C'est un mec qui joue avec des gens, en fait. C'est un mec, genre, il va dire... Si tu t'es là, tu es son ami, tout le monde le connaît, voilà, il est super bien saut. Il y a lu sur 5, je sais plus, il y a tout qui a fait toute la série, je pense, mais c'est trop bien. Celui qui n'a jamais eu le courage de regarder. J'ai pas eu le courage de regarder. Alors, si, la dernière fois, mon frère m'a dit regarde, viens voir, j'ai un film pour toi, donc j'y vais. Et en fait, quand il est con, j'avais lu que c'était un film de clown. Il y avait marqué clown dedans. Bon, je me dis, t'étais un clown gentil. Bon, j'essaye, même les clowns gentils, j'aime pas, ouais, je vous ai dit. Et c'était un, je sais plus c'était quoi comme film. Voilà, je m'en rappelle plus, désolé. Voilà, je m'en rappelle plus c'était quoi comme film. Je me rappelle parce que tu le goûtes ici, je me rappelle plus. Et bah, en fait, j'ai pas pu regarder en fait. Mon frère me dit, non, c'est pas un film de clown. Non, mais non, je suis conne ou quoi. Il s'est marqué clown sur haut, mais bon, à part ça, c'est pas un film de clown. Hein. Bon, une anecdote, le moment où tu as vu, tu as eu la plupart des gens rigolos, paranormal, mal joué, tout en fait. J'ai plus peur, les gens de ma vie, j'ai plus peur, c'était quand on... Je sais pas, vraiment, là, je peux pas poser la question. L'insecte qui t'autorise le dégoût de plus, c'est une araignée. Je t'ai cette araignée poilue, surtout, mais ça met de tête. La nature du mal ou l'aliment le plus immonde que tu as mangé, surtout pas, j'ai mangé des yeux, ou des lèvres, ou des... Voilà, des... Crois-tu en sorcière, esprit? Je crois pas en sorcière, en esprit, dans la famille, on y croit un petit peu. Le livre qui t'a fait le plus peur, mais que tu as... dévorer son bout. Alors je ne lis pas, donc il n'y a aucun. Le seul vidéo le plus effrayant auquel tu as joué, c'était... Je sais pas, parce que je joue pas au jeu.
c'est tout. Voilà, les amis, la vidéo est terminée. J'espère que tu vas liker. Si t'as aimé la vidéo, like. Oh là là, le temps. Abonne-toi à ma chaîne. À TikTok pour plus de vidéos. Et sur mon Instagram. Et ça n'a rien à voir. Je disais les vidéos, t'as assez longtemps. En plus, c'est trop bien. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Bye.